Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plus que particulière, ça fait 2 ans qu'il s'est passé quelque chose et ça fait 2 ans que j'ai réalisé le costume, le cosplay d'elfe du Seigneur des Anneaux, Gouffre de Helm. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Ben, je vous parle de ça maintenant parce que suite à la réalisation de ce cosplay, j'ai pris une grande décision dont je n'ai pas parlé, qui a mis 2 ans à se mettre en place. C'est un peu la célébration de cette grande décision, et c'est pourquoi je remets ce costume aujourd'hui, 2 ans plus tard. La différence qu'il y a entre il y a 2 ans et maintenant, c'est que quand j'ai fait ce cosplay, je pesais 95 kilos. Et c'est suite à ce cosplay que je me suis dit, c'est pas possible, t'as trop pris de poids, t'as trop grossi, tu t'es trop laissé aller, faut remédier à ça. Et 2 ans plus tard, je le réessaye, alors pour terminer, on va dire, je le réessaye et j'ai perdu 15 kilos. C'est long, 2 ans. À plusieurs reprises, j'ai failli lâcher l'affaire, mais au final, je me suis accroché et voilà, je suis redescendu à 80 kilos. Et donc du coup je réessaye un costume qui a été fait sur moi quand j'avais 15 kilos de plus. Et du coup qui a nécessité quelques petits ajustements, ça a été l'occasion de voir la taille que j'avais à l'époque. Et de réduire la taille des sangles qui font le tour de mes hanches. Et c'est plutôt agréable d'avoir perdu tout ça au final, même si j'ai passé de nombreux mois à pas avoir l'impression que ça fonctionnait. Quand je vois dans quoi je rentrais avant et quand je vois dans quoi je rentre maintenant, voilà, je suis plutôt content de ça en fait. Et alors je voulais le partager avec vous, oui, quelque part oui, et vous pousser éventuellement à faire un peu attention à votre propre poids. On a des activités qui nous assoient devant un ordinateur, on a des activités plutôt sédentaire et le temps passe, on rajeunit pas et ça finit par laisser des traces et on les voit pas forcément. C'est con, mais sans ce cosplay je me serais peut-être pas rendu compte de ce que je pesais et j'aurais peut-être pas entamé toute la démarche de faire gaffe à ce que je mange, aux quantités, au gras, au sucre, aux cochonneries. Je serais pas mieux comme je suis maintenant que comme j'étais à l'époque. Du coup, bah, y a des petits trucs assez rigolos quand j'y pense maintenant, mais la gaine que je porte autour de la taille, avec les fleurs dorées brodées dessus, il a fallu que je réduise la taille des élastiques derrière de quasiment 10 cm, on va dire. La cape qui se fixe dans le dos, il va falloir que je refasse les attaches parce que elle flotte, alors qu'avant elle était fixée solide. Hein. Je faisais le tour des épaules et je la fixais derrière mon dos. Maintenant elle tombe quand je fais ça. Donc, il va falloir que je raccourcisse terriblement les petites attaches derrière. Le reste, c'est une ceinture, donc une ceinture, il suffit de la serrer un petit peu plus et ça fonctionne, donc ça marche encore. Même mon tour de tête a réduit, puisque le petit circlet que je m'étais fait pour mettre sur ma tête, je nage dedans maintenant, donc il va falloir que je le rétrécisse un petit peu. Voilà, c'était tout, il n'y a rien de plus à dire, c'est pas sur comment faire, ça fait 2 ans qu'en secret, voilà, je fais ça et je travaille ça. Et que puisque c'est ce costume qui m'a réveillé, la boucle est bouclée, je le remets 2 ans plus tard et 15 kilos en moins. Voilà les cadavres, pas plus pour aujourd'hui, c'est une petite nouvelle comme ça. Bon jeu à vous que vous jouiez, rendez-vous peut-être in-game, ciao.